Izuki contre Ryu. Alors, votre copie, alors, votre pour Miro, qui gagne le coup. Il y a personne ou quoi? Il y a tout le monde qui regarde. Qui c'est qui est pour Julius Hopper? Voilà, merci, je me sens moins seul. Ouais, c'est parti, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller, hein. Donc, la sélection. Ah, c'est bon, ça y est. Allez, donc, on y va, donc, hein. Allez, on prend le random stage, comme on est comme dans le grand tournoi. Voilà, la map random, et ils ont choisi, le monde, hein. Ce monde-là a été choisi, et je vous rappelle juste, pour info, que ce monde est le plus petit du jeu. Très très pratique pour mettre l'adversaire dans le coin. Voilà le niveau, alors c'est pas un niveau, c'est pas genre le plus petit, genre il est vraiment très petit, mais c'est le plus petit en fait de tous les niveaux. Donc pour des persos comme Ceylon par exemple, ou même voir Ibuki, c'est très avantageux parce qu'elle vous met au sol et vous met rapidement dans le coin. Et donc c'est parti, hein, un loup qui va commencer évidemment par c'est moi une genie, il va se faire du coup de feu, il va falloir adopter, et vous pouvez essayer de passer en dessous, ça craint trop, hein. Là je vois un petit peu comment elle joue, j'ai l'impression que le Miro, il a un peu d'avantage là-dessus. Voilà, malheureusement, le côté sur la garde, qui va faire mousse. Forcément, direct, il va un peu perturber Miro. Il ne sait pas trop comment jouer contre elle. Parce qu'elle ne joue pas du tout, hein, comme il fait. Elle ne joue pas du tout comment il fait la jeu. Évidemment, elles sont complètement écrasées. Alors, il peut tout faire parce que j'ai absolument, dans les mind games, dans les vertex, mettre au sol, la priorité, il faut bouger, esquiver, attendre, bien évidemment, l'erreur de l'adversaire. Et là, Miro, vous avez vu au début, il a complètement attendu, il a attendu de voir comment jouer Ibuki, et Ibuki, elle est assez statique finalement, un peu perturbant. Là, Miro, il est en train de télécharger, si je fais un petit tour, il est en train de télécharger sa joueuse en face d'elle, en face de lui, pardon, elle a deux pieds sur la garde, le pas MP, et la boule encore une fois, et ça, le même cas, pardon. Oh, c'est pas bien joué, elle est libérée du coup, la seconde encore, la repart du coup, elle fait. Allez, ça va être une nouvelle fois Miro qui est complètement de la pause. Jalil Hopper, allez, encouragez-la, s'il vous plaît. Encouragez Jalil Hopper, Miro qui tient son premier match, qui tient son match, hein, tout simplement. Il a observé comment jouait la Miss Julie. Il a bien attendu, il a vu maintenant, il est carrément offensif, il sait un petit peu comment jouer contre elle, le lancement de bait et la baguette, lui il met au sol, a bien joué, ça commence un petit peu à sortir ses kiffs, hein, cette jolie, et essayer de calmer un peu les trains de Ryu, à se prendre la salue maintenant, le balancer, la reprend, le Tatsumaki, il le met dans le coin, hein, et le coin, voilà, c'est la partie de avec le combo, le Shoryuken, hein, qui repousse ici les assauts de Ibuki, et là je pense que les points sont aussi, hein, pour Ibuki, allez, bien joué, allez, non, bah, le rejoint le dragon, à relever, hein. Miro qui va tout simplement côté, on se relève en dragon, ça passe, ça rentre, ça passe pas, c'est pas grave, hein, on s'en fout, hein, après tout, pourquoi pas. Voilà, Miro qui est devenu très sale d'un seul coup, et voilà, donc évidemment, le dernier round finira par ce round, c'est fini. Jalil perdra donc ce match de ce premier de poule, et là, c'est bien parti, hein. En plus, il a la super, il est super, dit évidemment, petit dégât, c'est le stun, et c'est fini. La Jalil ne va pas, gros pied, on prend super, c'est terminé. Bravo à Miro. Et Julie qui malheureusement succombe aux attaques de Miro, on se serre la pince et je vais chercher la suite du match tout simplement.